Bonjour tout le monde. Bonsoir, bon, il est tard ici. Bon, en fait, je voulais faire cette vidéo en journée. Je vais peut-être la continuer plus tard parce que là, j'étais en train de faire quelque chose. J'ai dû arrêter parce que je voulais vraiment commencer cette vidéo suite à beaucoup de questions que j'ai reçues par rapport au statut que j'ai posté sur mon, un peu partout sur mes pages par rapport à la dame qui a utilisé les produits et puis pour corriger son teint. Voilà. Depuis des années, je vous parle de la correction de la peau, je vous parle d'utiliser les produits appropriés pour vos problèmes. Et bon, c'est vrai que quand on voit les résultats, ça motive un peu plus, ou bien quand on voit comment d'autres personnes ont utilisé. Mais en réalité, chacun doit savoir que son problème est particulier. Parce que je me rends compte que chaque fois que je poste un truc pareil, beaucoup de personnes vont toujours me contacter en me demandant qu'est-ce qu'elle a utilisé, qu'est-ce qu'elle a utilisé, qu'est-ce qu'elle a utilisé. Mais très peu me demandent et mon problème à moi, vous voyez, parce que votre problème, ce n'est pas son problème. Je vais vous raconter son histoire en détail et vous allez comprendre également que le suivi est très important, même quand on fait une correction de la peau. Parce que cette dame, elle m'a contacté justement, comme beaucoup le font, pour me parler de ses problèmes. Beaucoup me contactent avec des problèmes similaires, ma peau est gâtée, j'ai utilisé plein de produits et je ne sais pas quoi faire. En général, c'est toujours ça. Ou alors, je suis tombée sur des mauvais produits et voilà ce que ça m'a fait. Maintenant, ce que je vous demande toujours, c'est de 1, arrêter l'utilisation de tous les produits que vous avez. Et de 2, chercher la solution, c'est-à-dire aller vers des spécialistes, aller vers quelqu'un qui peut vous conseiller, qui peut vous proposer des choses, pas seulement pour vous vendre les produits, mais également pour vous aider à trouver la solution. Bon, donc quand elle m'a contactée, pour moi, je me disais, ok, comme d'habitude, j'ai une cliente qui a un problème et que je vais essayer d'aider comme je peux. Donc, je lui ai proposé les produits. Voilà, je vais vous passer la liste des produits que je lui ai proposé. Et ça a mis du temps pour qu'elle passe la commande, surtout à cause de la pandémie et tout. Et même quand elle a passé la commande, ça a mis du temps pour arriver chez elle, toujours à cause de la pandémie. Mais finalement, les produits sont arrivés et elle était très contente de les recevoir. Ok, bon. Comme vous le savez, ce n'est pas sur la vidéo que je vous dirai comment elle les a utilisés. Seulement, comme je vous explique tout le temps, les peaux réagissent très différemment, vraiment très différemment. Chaque personne a une réaction différente par rapport à l'autre. Et elle, elle en fait un bon exemple. Parce que quand elle a commencé à utiliser ces produits, ça ne s'est pas du tout passé comme vous imaginez. Parce que ce que vous avez vu sur mon statut, c'est le résultat qu'elle a actuellement. Mais ce n'était pas comme ça au départ. Et je vais vous dire pourquoi. Et je vais vous dire ce qui lui est arrivé. Et vous regardez en vidéo encore. On regarde et on revient. Bonjour Ricard, c'est Diane. Je ne sais pas quelle heure est-il là-bas. Je te dis bonjour, bonsoir en même temps. Bref, je voulais te dire, après quelques semaines de l'utilisation des crèmes, j'ai constaté sur ma peau qu'il y a des boutons qui sortent. Voilà. Dès le début, je me suis dit, peut-être c'est le produit qui est en train de réagir. Voilà, je me suis dit, peut-être le produit est en train de réagir pour pouvoir s'adapter mieux à la peau. Mais au fur et à mesure que les jours passent, ça devient plaque, ça fait des plaques. Je vais te les montrer. J'ai ça aussi sur la poitrine, au milieu de mes seins. Là, j'ai ça aussi partout, sur la poitrine, sur le cou, même derrière le cou. J'ai ça derrière, là, j'ai ça. J'ai ça un peu partout, sur mon ventre, en bas de mes seins. Un peu partout, sur mes bras, un peu partout. Et ça fait l'effet, ça me démange. Ça. Oui, ça me démange. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Je n'arrive pas à comprendre. Voilà, donc il faut que je te les fais voir au moins. Je vais te les montrer comme ça. Tu auras une idée parce que vraiment, je ne sais pas. Voilà, pour que tu puisses avoir une idée plutôt. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça ici. Voilà. Ça y est un peu partout, sur mon ventre. Ou ça, voilà, sur mon ventre, ça y est un peu partout. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, ma soeur. Ça, c'est la main gauche, voilà. Tu as vu, c'est ça qui est là, tu vois. C'est ça. C'est ça qui est là. Voilà. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, ma soeur. Je ne sais pas. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que quand elle commence à utiliser les produits, voilà, vous avez vu, des plaques sont sorties. Honnêtement parlant, je vends ces produits depuis des années, depuis plus d'une dizaine d'années. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu une réaction pareille. Mais par expérience, je sais ce qu'il faut faire dans des cas pareils. Alors, je lui ai conseillé ce qu'il faut faire. Et c'est pour ça que je vous demande toujours, quand vous utilisez un produit, surtout si c'est moi qui vous les conseille, parce que moi, je maîtrise quand même mes produits. Bon, je ne peux pas dire que je les maîtrise à 100%, mais au moins, je connais quand même mes produits.
Donc, comme je vous dis, quand ça ne va pas bien, face au problème, il ne faut pas paniquer, il faut simplement réfléchir et trouver les meilleures solutions. Donc, elle est revenue vers moi, comme je conseille toujours, quand ça ne va pas, revenez vers moi. Si ça me dépasse, honnêtement, je vous dirais que ça me dépasse. Mes clients le savent. Si je vous donne un produit et que vous n'arrivez pas à trouver sa satisfaction, je serai la première à vous dire, écoutez, moi, ça me dépasse, je ne sais plus quoi faire. Donc, quand elle est revenue vers moi, je dis, ok, moi, je n'ai jamais vu ça, mais avec mon expérience, je sais comment il faut, comment il faut traiter ce genre de problème, comment il faut réagir face à ce genre de problème. Et je lui ai expliqué ce qu'il faut faire. Elle l'a fait. Et puis, elle est revenue avec le résultat que vous voyez. Donc, je vous laisse enjoy ce résultat. Et voilà. L'autre bras, voilà, se sont un peu atténués un peu, sont en train de s'améliorer. Mais mon problème seulement, c'est que j'ai un peu peur pour les taches blanc-blanc là. Je ne sais pas si ça va rester, si ça va partir. Mais pour le rhéchiatre, voilà ma main gauche là. La dernière fois où il y avait des plaques là, voilà, c'était tout blanc-blanc là. Les plaques sont parties, la peau a poussé, les blancs-blancs l'ont disparu, les blancs-blancs ne sont plus là. Là, la peau est tournée normale, voilà. Elle est retournée comme elle était avant. Normal, voilà, ça va, les choses ont commencé à s'améliorer. Ok, bonjour rhéchiatre. J'ai oublié ce matin, je voulais aussi te faire voir mes mains, mais j'ai oublié. Donc, je t'emmenais seulement la vidéo. Mais c'est mes mains qui sont là. Après, je sais pas, 3 semaines de traitement, après les plaques. Bon, ça, c'est le truc qui peut arriver. Mais ça, c'est le résultat qui est là. C'est les mains qui sont là. Ils sont devenus bien propres. Même la paume, elle est devenue propre. C'est toi aussi te montrer ça aussi. C'est pas seulement que les plaques. Les plaques sont déjà parties. Les plaques sont finies. Mais je te montre les mains. Je voulais te montrer ça aujourd'hui. Puis j'ai oublié. Je t'ai seulement amené là. Je t'ai seulement amené l'autre vidéo là. Mais c'est mes mains qui sont là, ma chérie. Merci. Si je fais cette vidéo, c'est surtout pour vous dire, écoutez, moi je fais ce travail depuis des années. Je le fais parce que ça me plaît d'aider les gens de venir en aide. Je pouvais vendre les produits simplement. Mais j'aime quand il y a des résultats. Et je ne vais pas vous mentir. Je vais vous dire honnêtement, parfois ça ne marche pas. Parfois, il y a des gens qui ont de très mauvaises expériences, ça je vous le dis. Mais ce n'est pas à cause du produit. Ça au moins, je peux le dire. Ce n'est pas à cause du produit, mais c'est parce que les peaux sont différentes et les peaux réagissent différemment. Donc, je ne peux pas savoir chez qui ça va marcher ou chez qui ça ne va pas marcher. Mais s'il fallait prendre en quantité, la majorité, ça marche. Donc, si ça marche pour eux, ça peut marcher pour vous également. Moi, ce que je vous conseille surtout, c'est de au moins demander conseil. Vous n'êtes pas obligé d'acheter, hein, mais demandez conseil. Prenez au moins les bonnes résolutions. Parce que quand vous me demandez conseil, si vous venez vers moi pour me demander qu'est-ce que je peux utiliser, je ne cherche pas à savoir si vous allez acheter chez moi ou pas. Ça, ça ne m'intéresse pas au départ. Bien sûr, ça m'intéresse, mais je ne mets pas l'accent sur ça. Je ne vais pas vous dire, si vous n'achetez pas chez moi, je ne vous dirai pas quoi prendre. Non. Si vous venez chez moi, je vous dirai qu'est-ce qu'il faut utiliser. Après, vous choisissez d'acheter ou pas. Et si vous achetez, moi également, je fais de mon affaire de vous suivre, de m'assurer que les choses se passent bien pour vous et surtout que vous ayez la satisfaction que vous recherchez. Après, je ne peux pas vous garantir à 100% que vous serez satisfaite, mais je ferai de tout mon mieux. Je ferai ce que je peux pour que vous soyez satisfaite. Ça, c'est mon objectif, c'est mon principe à moi. Après, voilà, si vous souhaitez partager votre expérience, vous pouvez le faire. Comme cette dame, elle a fait gentiment, je ne lui ai pas demandé. Elle m'a dit, si tu veux, tu postes. Et c'est pour ça que j'ai voulu partager avec vous. Sinon, il y a des gens aussi qui ont des résultats, mais ils ne veulent pas poster, ils ne veulent pas partager. Je respecte également, mais ce serait bien parce que tout le monde, d'autres personnes voient également qu'ils ne sont pas les seuls dans les situations pareilles et que voilà, il y a peut-être une solution pour eux. Ok? Bon, allez. Wow, j'ai fini cette vidéo aujourd'hui. Je pensais que j'allais la finir demain. Allez. Bonne nuit. Je m'en vais cuisiner avant qu'on me chasse du mariage. Bye bye.